Yo les S3 Family, comme prévu, voici le S3 Freestyler du jour du tuto précédent. Si toi aussi tu veux passer dans une de nos vidéos, pense à poster la tienne avec le hashtag S3School. Bang! Yo, c'est la team S3 et aujourd'hui c'est la S3 School. Comme chaque semaine, vous allez apprendre du geste de folie avec nous. Et aujourd'hui, le geste qu'on va vous apprendre, c'est le Abbas. Et ouais les gars, S3 School. Mais les gars, c'est quoi le Abbas? Le Abbas, c'est un tour du monde intérieur précédé d'un demi-tour du monde avec l'autre jambe. Très fort aussi, dis donc. Oui. Tout d'abord, il faut savoir que comme beaucoup de gestes en freestyle, certains gestes sont très souvent la combinaison de deux ou trois gestes différents. C'est le cas pour le Abbas qui se compose d'un reverse crossover et d'un tour du monde intérieur. Logan n'est pas d'accord avec ce tuto. Logan entre. Moi je dis que c'est un tour du monde tout court, c'est pas intérieur ou extérieur. Merci, au revoir monsieur. Bon, allez, on passe à la prochaine étape. Pour avoir ce geste, il faut avant tout assouplir les adducteurs. Il faut pouvoir lever la jambe sans se faire mal. Alors échauffez-vous bien. Maintenant que t'es bien échauffé, tu peux commencer à prendre le Abbas de dingue. Allez. Étape 1. Étape 1. Ok guys, tout d'abord vous allez me faire des reverse crossover. Je veux voir des reverse cross, ça va vous aider à faire le Abbas correctement. On passe à l'étape 2. Étape 2, le gars il est pas là. Une fois que vous savez faire le reverse cross, vous allez le refaire mais avec un rebond. Le rebond il est entre le moment où vous passez la jambe autour du ballon et celui où vous le récupérez avec l'autre pied. Ça va vous aider à avoir le bon tempo pour faire le Abbas. Et là, Trafi va vous montrer. Étape 3. Yeah. L'étape 3 elle est simple, vous allez tout simplement rajouter un tour du monde intérieur en plus de l'étape 1 et 2. Mais il y a une chose qu'on vous a pas dite, c'est pour ceux qui font le tour du monde extérieur, vous pouvez aussi le faire en extérieur. Ok, comme ça c'est plus facile, espèce, voilà. Voilà, maintenant je te le montre. Mais il est trop fort. On passe aux astuces, astuce numéro 1, bien brosser la balle, comme ça là. Non, je rigole, en fait c'est comme ça. Brossez. Oh, après ta balle elle est propre. Ok, astuce numéro 2, il faut bien travailler la coordination entre ce mouvement là et ce mouvement là. Ok, donc n'hésitez pas à laisser de rebond. Faut bien l'effectuer au départ. Comme ça à la fin. C'est facile. On passe à ce qu'il faut pas faire. Ce qu'il faut pas faire les gars, c'est sauter en même temps que vous faites le geste. Yo les gars, what time is it? Cyber time! Voilà, c'est la fin de ce tuto les gars, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que tu vas t'entraîner maintenant au Abbas. Pense à poster ta vidéo avec le hashtag S3School qui s'affiche juste ici là, tu vois le délire. Et voilà, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages, puis salut.